Dès la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est à l'aise, c'est easy. Donc Ereus est présent dans le composant médicaux, surtout pour la partie gestion du rythme cardiaque, et on se développe dans tout ce qui est électrophysiologique. Donc je m'appelle Luc Mermet, je suis chef de projet chez Ereus depuis bientôt 9 ans, et je m'occupe de tout ce qui va être gestion de nouveaux projets, industrialisation de nouveaux produits et suivi de la production. La machine Visio est utilisée actuellement dans notre atelier qui s'est développé ces dernières années et qui continue de croître. Donc ça nous a permis d'augmenter notre productivité. On fabrique principalement des micro-composants médicaux. Les contrôles dimensionnels sont extrêmement importants chez nous parce qu'on doit tenir des tolérances données par le client qui sont de l'ordre du micron. Donc on se doit d'être extrêmement précis dans nos mesures. Les conséquences d'un mauvais contrôle qualité en interne peuvent être multiples. Si on arrive à détecter en interne une non-conformité, on aura un impact financier, puisqu'on va devoir remesurer les pièces, recontrôler à 100%. Et encore plus grave, si des pièces partent en étant hors spécification chez le client peut les trouver, lui, lors de son contrôle d'entrée, ce qui impacterait aussi bien du point de vue financier, où on aurait des tris à faire. Et encore plus grave que ça, c'est se retrouver avec des pièces qui sont hors spécification dans le corps d'un patient, qui pourrait avoir des impacts critiques sur la santé de celui-ci. Alors, nous utilisons principalement la visio avec le mode manuel, donc sans la programmation. Ça nous permet d'être très rapide dans nos mesures et nous permet de libérer notre production de manière simple et rapide. Je m'appelle Daniel Cruz, j'ai 23 ans, je viens d'Yverdon. Je suis micro-mécanicien régleur CNC. Je règle tout ce qui est toutes ces machines-là. Et ça fait 2 mois que je suis dans l'entreprise Ereus. Alors on se trouve dans notre atelier de micro-usinage chez Ereus. Toutes mes 5 pièces, j'ai la visio à utiliser. Je fais des contrôles à 100%. C'est une machine qui est très très pratique pour le quotidien. J'ai juste à mettre mon zéro. J'ai presque plus rien à faire, c'est la machine qui fait tout. Je m'appelle Jessica Millerao, j'ai 32 ans. Donc on se trouve au post-processing après le micro-usinage. On est un atelier de contrôle dimensionnel et visuel. Lorsqu'on est nouvelle ou qu'on a une personne en formation sur la CIPAC, on commence déjà par démarrer la machine et après le logiciel. On vient prendre nos origines machine et après choisir notre luminosité en fonction de la pièce qu'on doit contrôler. Ça fait environ 1 année que je travaille avec la Silvac Visio. Ce qui m'a le plus surpris en utilisant la Visio, c'est la qualité d'image, la précision ainsi que la réputabilité de la mesure. Si la Visio n'existait pas, ça serait très compliqué pour nous, car on ne peut pas mesurer la pièce à la main. D'ailleurs, on a fait des tests de mesure avec des micromètres, etc. Et en fait, ça nous marque énormément la pièce. La Visio est un équipement de mesure sans contact, donc il n'y a pas de possibilité d'abîmer la pièce lors de la mesure. Alors, d'après mon expérience, je pourrais recommander facilement l'utilisation de la Visio dans le cadre du médical et dans le cadre de l'usinage, plus simplement. Je recommanderais vraiment cette machine parce qu'elle est rapide et efficace et elle n'est pas très difficile à être formée dedans. On est tellement content de la réputabilité de la mesure et de la précision que j'ai aucun souci à la recommander ailleurs.